Origine des peuples des Caraïbes insulaires. On remarque que les populations arawak ainsi que les langues amazoniennes sont présentes jusqu'au Pérou en passant par les Guyanes. La légende indique que les autochtones des Grandes Antilles furent exterminés vers 1550 alors qu'il n'en est rien car la plupart fuyèrent les nouveaux envahisseurs vers le continent, notamment les Garifuna, les Siboni, les Lucayo, les Lukono, les Taino. D'autres furent déportés en Europe ou mis au travail forcé. Cependant, la présence amérindienne s'est maintenue. Il est impossible qu'il n'y ait pas eu de contact entre le monde maya et le monde inca. Les pyramides de Norte Chico à Caralsupe au Pérou sont les plus anciennes d'Amérique et les momies Chinchorros sont les plus anciennes au monde. Les langues arawakéennes sont parlées du Paraguay au Belize, Guyane, Suriname, Guyana, Honduras, où se trouvent les Garifuna qui ont fui Saint-Vincent en 1794. Le groupe des langues arawak sont parlées en Bolivie, Colombie et Pérou. À une époque antérieure dans les Antilles et le golfe du Mexique, les Caraïbes parlaient le Galibi. Et ils avaient des contacts avec l'Amérique centrale et l'Amazonie.